Salut à toi, YouTube, pour cette VOD sur la Mister Auto Cup. Donc, on a fait la première session, il y a une map qui est sortie il y a une semaine. Les gens ont tryhard la map pendant une semaine pour faire top 64. Et Dieu sait que le top 64 est très serré. Comme on peut le voir ici, donc on a les joueurs qualifiés sur la map Mister Auto Cup Engine Oil. Donc on a Sam avec le WR en 48-538, pardon, suivi de Snow. On a Timours, Richie, Legu, Spokey, Thomas Jean, Cap, Evan, Super Carlouf, Tricky, Worker, Telney, Glast, Taurus, Granady, Milmi, Liker, Aurel, Bren, Dark, Tommy, Cloax, Seven, Marius, Link, Wardrove, Panda, Chadoni, Dazzle, Jurix, Omega, Wawa, Hugo, Magorian, Binks, Monkey, Coco, Mimo Junior, Brandom, Enix, Darker, Luzix, Walegen, Tia, Mika, Spam, Natic, Tsuna, Heavy, Heave, pardon, Elcon, Konkonikoni, Mr. Rick, Lulub, Nixo, Ice, Ray, Raizo, Spitzel, Dunray, Sly, Anakin, Covin, Mokura et Lucky pour le top 64. Et ceux qui ne seraient pas sur le Discord, qui sont dans le top 64 et qui ne seraient pas sur le Discord, je vous invite à le rejoindre au plus vite. Vous allez sur le site directement Mister Auto Cup. Et juste ici, vous avez le lien du Discord. Il faut le rejoindre absolument. Bref. Voilà, voilà. Et on a déjà le bracket pour les quarts de finale qui se joueront samedi 17. Toutes les infos sur Discord et sur le site directement. Donc on a déjà le bracket pour ceux que ça intéresse de savoir un peu avec qui ils sont. Donc là, ce sera le top 8 qui passera. Top 8 et top 8. Ensuite, on fera demi-finale à 8 avec un seeding, le premier il va dans le demi-finale 1, le premier seed 2, etc, etc. Ensuite top 4, top 4 et la finale à 8. Vous le voyez pas mais là voilà. Bon bref, on va du coup passer au reveal des deux nouvelles maps qui vont donc s'ajouter au map pack. Donc là pour les quarts de finale on aura la map 1, donc cette map là, Engine Oil. Et deux maps qui vont s'ajouter, que je vais vous faire découvrir tout de suite, tout simplement. Donc on va jouer un circuit. Blablabla. Donc on va commencer par Water Pump. C'est le nom de cette nouvelle map. Donc on est resté sur... j'étais tout seul au mapping, mais je suis resté sur un style dans le même genre que la map des qualifs. Et le nom, t'as déjà peur. Du coup, voilà la map. Il y a des petits lacs, toujours. Toujours des petits lacs, bien sûr. Du coup, je peux vous montrer cette map. Alors bon... Après là, je la joue pas très très bien. Un petit peu de grâce, bien évidemment. Donc cette map-là se jouera exclusivement en round, il n'y aura pas de quali à faire en TA. Ce sera que du round, ça. Et là, vous n'allez pas être content avec cette place. Hein. Mais elle se joue bien. Là, je l'ai save complètement, mais elle se joue bien. Et... On a vu un petit truc à gauche. C'est effectivement le hardfin. En prenant le petit bump. Assez simple. Hein. Plutôt très simple d'ailleurs. Non, donc voilà pour cette première map. Donc Water Pump. Et du coup j'ai essayé de mettre un petit peu de grâce. De la glace et de la dirt. J'essaie de faire un mix un peu de tout. Par contre pour la prochaine, elle va être un petit peu plus tech. Je vais vous montrer ça, donc Air Filter, qui va être cette deuxième map. Et je crois pas qu'on a de petits lacs sur celle-là. Attendez, je vais cam set d'abord pour vous montrer un petit peu. Donc plutôt tank celle-là, et pas de glace. À part, vous allez le voir, il y a un petit bobsleigh qui se cache, mais vous allez le voir. Très bien. J'attends la map jointe culasse. Un petit passage dirt.
un drift. Et là, c'est déjà des maps un petit peu plus compliquées que la première, tout simplement. Hop. Et là, tout simplement, la fin. Cela dit, on a vu un ring hein, sur la droite. On a vu un petit ring. Et comme d'habitude, le hard finish. Hop. Qui se fait tranquillement. Sympa le safe fin. Il se fait, honnêtement, il est gratuit. Il est gratuit, le hard fin. Ça passe, ça? Tu veux que je te remontre une fois? Non mais les gars, ça va. Là je pense qu'il faut pas prendre trop inter pour moins de airtime ici. Après ça, ce sera à vous de trouver les strats. Hein. Là c'est un peu chiant, on peut passer en gear 5, mais bon... Et là, hop. Ah, je suis peut-être trop bas. Non, c'est bon. Gratuit. Pas moyen de skip le slow-mo et de hard fin. Tu pourrais essayer, si ça te tente. Si vous trouvez des cuts dans les prochaines heures, n'hésitez pas à me dire. Donc là, ce sera water pump et air filter. Si vous trouvez des cuts, je dois les corriger au plus vite. Après, là, vu qu'il n'y a pas de qualification en TA, c'est pas si grave par rapport à Engine Oil. Mais ouais, du coup, elles sont dispo sur serveur. Il y a aussi une campagne dans le club. Donc dans le club Mister Auto qui va être créé avec les trois maps. Et chaque serveur avec les trois maps. Normalement, il devrait ouvrir le serveur maintenant avec les trois maps. Et on va du coup switch. Et on a directement Water Pump. Et du coup, je vais vous spec un petit peu découvrir cette map. Le mot de passe du serveur va être enlevé et on va essayer de faire, vu qu'il y a deux serveurs, on va essayer de faire un switch. Water pump, c'est une pièce sur une voiture. En fait, chaque nom de map, c'est une pièce sur une voiture. Serve 1 open, allez, ça part. Et merci Tanguy. Alors qu'on voit les joueurs arriver sur le serveur. Bon, vous êtes pas obligé d'avoir fait top 64 pour jouer les maps. Hein. Le serveur est open à tous si vous voulez juste vous amuser sur les maps et train. Je vous avoue que les maps vont augmenter en difficulté, typiquement les maps de la finale. Wow. Attention, mais ça va. Alors c'est pas forcément, j'ai dit le nom, ça, c'est une pièce, mais ça peut être aussi, je sais pas, typiquement l'huile de moteur, c'est pas une pièce, tu vois, mais bon, t'as compris. Pour Mister Auto, pour ceux qui auraient pas compris. Alors parce que Mister Auto vend justement, ils vendent des pompes à eau sur leur site. Également, ils vendent de l'huile de moteur, si ça vous tente. Bon, Worker qui bug un petit peu. Alors regardez Enix plutôt. Ou la partie glace de Enix. On s'attend au pire. Mais ça passe tout seul. Et salut Quentin. Le hard fin. Ah, ouais, non. Ah. Ok, ça passe comme ça. Pas besoin de prendre tout le truc. On a aussi Cap
Cap, donc qui s'est qualifié hein, dans le top 64. Qui est là, donc on va regarder 8 minutes cette map là. Ensuite on va spec les autres sur l'autre map. Et la gear. Justement, si on mettait un no grip, il n'y aurait pas eu de perte de gear. Mais je me suis dit, map de qualif, ok, je fais pas perdre la gear aux gens. Mais pour les demi-finales, quart de finale, demi-finale, je me suis dit, bon, j'ai plus besoin de leur tenir la main pour pas perdre la gear. Et donc Cap qui a inauguré le save fin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a Spokey aussi qui a fait un bon temps honnêtement sur la map des qualifs. Monkey top 1. C'est vrai qu'on voit pas grand chose avec cette scène là. Pardon, j'oublie quelquefois de changer de scène. Avec les interfaces Trackmania qui changent suivant tout ce que tu fais. Un peu chiant. Du coup les 64 sont là. Alors ils sont pas là sur le serveur mais... j'ai énuméré avant, j'ai donné la liste du top 64. Et je rappelle encore une fois à toutes les personnes qui seraient dans le top 64 de join le Discord, c'est très important pour qu'on puisse leur donner le rôle de pré-qualifié. Ensuite vous devrez remplir un Google Doc pour être éligible au top 64 et au quart de finale. 49.7, c'était ok comme temps, c'était très bien, Cap. Ok, qui découvre petit à petit. Est-ce qu'on a déjà un bon temps, Monkey? Monkey qui a terminé une fois, donc il peut aller chercher quelque chose. Monkey qui a dû faire quelque chose comme top 44, je crois. Mais voilà, les maps sont ouvertes à tous. Mais je pense jouer des maps comme ça, justement, c'est un bon moyen de s'améliorer sur le jeu. Typiquement, j'ai vu beaucoup de... Enfin, beaucoup, j'ai vu des joueurs. Même si, voilà, ils n'ont pas un niveau de fou, où ils n'allaient pas faire top 64. Ils ont quand même tryhard et passé du temps sur les serveurs à s'entraîner et à step up. Et c'est honnêtement le meilleur moyen de step up. Et bien évidemment, je vais cast les quarts de finale. N'hésitez pas à me dire si vous avez, je sais pas, si vous trouvez des cuts, si les maps ont un souci, si c'est pas respawnable. Normalement tous les CP sont respawnables, mais donc les deux ne passeront pas en même temps, ou tu vas devoir choisir. N'hésite pas à aller sur le site Spunky et à t'informer. Je vais pas redonner toutes les infos à chaque fois que quelqu'un pose une question. M'en voudra pas. Et Monkey avec le hard finish. Le hard finish qui demande souvent un respawn. Après là c'est la découverte tu vois mais... Il faut bien pré-shot le hard finish. Et plus que 5 minutes et on switchera sur l'autre map. Et du coup le nom Water Pump parce que j'ai mis pas mal d'eau sur la map. Et avant c'est Air Filter parce qu'il y a pas mal de sable. Du coup il faut un filtre à air. Très important. Bah très bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de plainte pour l'instant. Salut Crayon Blanc. Salut Yanné, salut le stream. Comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien, je suis en train de faire le reveal. Je crois que j'ai pas changé le titre du stream, Je pense que le titre n'est pas à jour. Après, c'est peut-être mieux. Ah non, reveal des deux maps. Non, c'est tout bon. Parfait, Daragen qui a dû s'en occuper. Merci beaucoup. Alors que Worker prend la première position au loco. Bon, il l'avait déjà, mais... Très bien.
Les maps de la finale sont déjà créées. Tout à fait, elles sont déjà créées. J'en ai une à décorer encore, mais le tracé est fait, tout est prêt. Un worker, le fast learner. Tu as fait un temps ou pas sur les maps pour dire si le temps est bon? Non. On verra aux locaux si les temps sont bons, quoi. Là, j'ai un PB en... Enfin, un PB. J'ai une run validation en 55.6, mais ben, j'ai fait un temps et j'ai validé, quoi. J'ai pas hunt les maps. Et merci, Fab3. J'ai essayé de faire un truc un peu multi-style. En même temps, un minimum joli, quoi. Ah, ça clip un petit peu pour Worker. Il reste 2 minutes 40 pour cette première map. Et salut Lucky. T'es effectivement passé Lucky, donc si tu peux join, si c'est pas déjà fait le Discord. Tous les joueurs du top 64 doivent join le Discord. Ouais, pile 64 il me semble aussi pour Lucky. Enix sur la glace, ça part un petit peu exter. Ah non. Non, 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 non. Il porte bien son nom, c'est vrai ça. Lucky. Qui passe top 64 sur 64. Il a remis de la glace. Il y a de la glace sur toutes les maps. Je vous le dis maintenant. C'est du multi-style, donc forcément, il y a de la glace. Mais regardez, ça passe nickel pour Black Dream. C'est parfait. Il l'a dit. Bah, sur une multi-style, on s'attend à avoir de la glace. Oh, le hard fin. Magnifique, de la part de Black Dream. Très bien. Ice, en 54.2, qui a amélioré un petit peu. Ah, le airtime ici. Fais attention, bien prendre en diagonale. Salut Skella. Allez, c'est le dernier try pour Ice. Et ensuite, on switchera sur la prochaine map. En vrai, ce qui aurait été con, c'est que de la glace sur la map du CD. Bah oui. Pas été très malin. C'est pas la Evo Ice Cup ici. Ouh, le airtime. Est-ce qu'on a un dernier run de quelqu'un? On a Cap qui est pas trop mal. Mais cette glace, il faudra bien la prendre. Ça va restart un petit peu pour tenter de comprendre cette glace. Il y a une trage. Il y a une trage précise à prendre. Et ça, en round, ça va être quelque chose. Ça va être très très sympa à regarder en round. Et ce Hardfin qui peut clutcher. Et du coup, on passe sur la prochaine, qui est donc Air Filter. Mais ouais, cette eau, elle est magnifique. Ce que je voulais dire, c'est de la glace uniquement sur le seeding et pas les autres. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc cette map est un petit peu plus compacte que les autres. Et celle-là, c'est, je crois, la première que j'ai mappée. Mais bon, ça, petit fun fact. C'est la première des 5 que j'ai mappée. Et ensuite, j'ai pris les 5, j'ai checké laquelle était la plus dure, etc. Pour faire l'ordre de sortie. Et typiquement, la toute première qu'on a vue, qui était donc Engine Oil, c'était la plus simple. En tout cas, j'en ai déduit que c'était la plus simple, donc c'est celle-là que j'ai mis en quali. Barlou, qui découvre cette map,
qui a peut-être déjà vu un petit peu... Alors cette transi, j'avoue que cette transi là, attendez, pas celle-là, celle-là ça va. Cette transi là est pas beginner friendly. C'est pas la plus simple, c'est la moins dure, ouais on va dire ça comme ça. Cette transi là, il faut de la vitesse. Et c'est une des raisons pour laquelle je l'ai mise en demi. Mais je me dis là, le top, le top 64, ils sont bons quoi. Alors une map un petit peu plus tech que les autres, je dois avouer. Vu que c'est la première que j'ai faite, j'étais pas en mode il faut absolument que je mette de la grâce ou des choses comme ça. Du coup un petit peu moins, mais ça reste sympa. Et là, le hard finish. Ah, il va le tenter. Il va le tenter, ce hard finish. Et il a clip en entrée, ça va pas passer. Il faut une trage. Merci beaucoup, Sirot, pour l'année. Ok, et ça passe. Ça passe, mais il veut mieux le faire. Peut-être pas assez haut sur ce try là. Ouais. Il essaye de skip le ralenti. Potentiellement, ouais, mais il est pas skippable. J'ai essayé pendant un bon moment et impossible de skip. Et même si tu le skip, en fait, t'as pas la trajectoire. C'est assez évident. T'auras forcément, si tu passes pas ici, tu vas forcément partir à droite et même t'auras jamais la hauteur. T'es quasi obligé de le prendre comme ça. Et vu qu'il y avait un slow motion pour le hard finish, j'étais obligé d'en mettre deux, sinon tu gagnais, tu perdais pas assez de temps entre guillemets avec le safe finish. Du coup, Nixo. Cet arbre, j'en peux plus. Bon, je sais pas de quel arbre il parle. On a qui d'autre sur le serveur là? On a Dazzle qui s'est qualifié, mais qui ne joue pas. Bien cool ce hard finish. Je pense qu'en round il va être giga intéressant. En tout cas j'ai essayé de le construire dans ce sens là. Ça tente le triangle mais je pense pas que t'es une bonne trage pour après. Non, le triangle a pas l'air... C'est bien tenté mais... Je pense pas qu'il soit rentable. Tu peux tout de même terminer avec mais... Compliqué. Ah, peut-être l'arbre du hard finish, effectivement. Mais je trouve même que l'arbre, il aide. Pour avoir la bonne trage. Pour visualiser la bonne trajectoire à prendre, l'arbre aide. Vous voyez ce que je veux dire? Warfare qui a compris, du coup, le finish. Est-ce que tu attestes avec un bong sur le coin de route? Bon bref, n'hésitez pas à aller essayer les maps avant de proposer toutes sortes de choses. Le serveur est ouvert à tous. Et normalement le deuxième serveur est run et il n'y aura jamais, en tout cas on va essayer de jamais mettre la même map en même temps sur les deux serveurs. Comme ça, si vous avez assez vu par exemple après cette map là, il y aura la map des califs. La map des califs, on l'a vu pendant une semaine, ça va quoi. Et du coup, je pense que si vous voulez train sur le serveur, le mieux c'est de switch entre le serve 1 et 2. Après, il y a une campagne si vous voulez train en offline. Il y a une campagne. En tout cas, il y aura une campagne. Avec les trois maps du map pack. La transit d'Earth Road Bombay est incroyable. Au début, je crois que je vois de laquelle tu parles. Celle-là. Là où il a fail. Pile où il a fail. Là, c'est quoi? C'est que les quarts de finale ou c'est tout le monde? Là, c'est que les quarts de finale.
c'est que le top 64. Mais si vous voulez jouer les maps, faites-le, faites-le. Par curiosité, tu vas mettre les maps sur TMX. Tout à fait, Micmo. J'ai déjà mis la première map sur TMX. Et j'ai même fait un... En tout cas, je vais faire... Je suis pas encore sûr si je fais un map pack, mais je pense... j'ai déjà mis la première. Et j'attendais de reveal pour mettre les 2 et 3. Ça manque de petits lacs. Cette map là n'a pas de petits lacs. J'ai quasi pas mis d'eau, je crois. Je vais regarder en cam 7 quand même. Moi, cette transi, je la trouve stylée. Bien enchaînée avec de la speed. Le petit drift, il s'enchaîne tout seul. C'est plutôt cool. Le hard finish qui ne passe pas du first try pour Worker. Et on n'a pas d'eau sur la map. Moins moins. Moins moins, il n'y a pas d'eau. Tu en penses quoi du nombre de personnes qui ont joué la map des qualifs sur le serveur? Je suis très content du nombre de personnes qui ont joué. Je suis très content qu'il y ait des joueurs comme Aurel, Bren, Spam, etc. qui ont testé. Granady aussi. Je suis très content. Très très content du nombre de joueurs et même du retour que j'ai sur les maps. Les gens sont contents. Même ceux voilà, qui seraient entre débutants et intermédiaires, ils sont contents d'avoir des maps un petit peu compétitives pour s'entraîner. Combien de personnes environ? Il y a eu à peu près 600 locaux sur la map des qualifs. Après, au début, il n'y avait que les 100 records et du coup, j'ai dû demander d'ajouter. Donc, je pense qu'il y a eu un peu plus, mais dans tous les cas, c'est très très bien. Bon, bref. Du coup, YouTube, bah, c'est la fin de cette VOD. Hein. C'était donc les deux nouvelles maps pour la Mister Auto Cup. N'hésitez pas à aller les tester si elles vous donnent envie. Et je rappelle, au top 64, très important d'aller sur le Discord. Pourquoi il y a un panneau qui vole? Sûrement que j'ai oublié de le coller. Il y a où un panneau qui va? Oh non, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bah, je l'ai pas vu. C'est le lore. Bon, bref. Des bisous à YouTube. On se revoit pour d'autres VOD. À bientôt.